messieurs, bonsoir. Vous savez que c'est un grand plaisir pour moi de revenir à Rimouski dans le cadre des fêtes du 300e. Et quand on m'a demandé de participer à ce spectacle qui rendait hommage à Paul Bossé, je ne pouvais refuser. Tous les musiciens ce soir que vous applaudirez ont travaillé très près avec Paul Bossé. Paul Bossé, l'époque est de 1917 à 1979. Paul était le fils de Pierre. À 5 ans, il a eu son premier violon. 5 ans. C'est M. Zéphir Raymond de Nazareth qui lui a montré vraiment comment tenir l'archet, pincer les cordes et devenir ce qu'il a été. À 8 ans, le jeune Paul était la grande vedette de l'exposition agricole de Rimouski. Incroyable. Et ce soir, les musiciens sur scène que j'aurai le plaisir de présenter dans quelques instants interpréteront des compositions de Paul, des reels, des quadrilles, des valses, des polkas, les plus étoffées que Paul a jouées pour ses auditeurs. Sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, commençons avec les musiciens sous l'habile direction de Jean Bellavance. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous l'avez reconnu, n'est-ce pas? Ça a été la petite fille, enfin l'élève de Paul Bossé. Elle avait beaucoup d'admiration pour Paul. Et vous avez reconnu Madame Thérèse Rioux, qui a quitté sa Forestville, maintenant son Forestville, si vous voulez, pour venir ce soir rehausser nos fêtes. On applaudit très fort, comme il se doit, Madame Thérèse Rioux. Mais sans plus tarder, Monsieur Jean-Louis Labbé rend hommage à sa façon à Paul Bossé. Jean-Louis. Thank you.
extraordinaire. Ah, quel souvenir. Vous savez qu'avec la soirée canadienne, on a parcouru toutes les paroisses du territoire de la Gaspésie à Rivière-du-Loup. C'est comme ça que j'ai commencé à ce moment-là à dire l'annonceur le plus pépé de Québec à Gaspé. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, hein? Bon. Eh bien, j'ai présenté Jean Bellavance il y a quelques instants, le maestro qui mérite certainement vos applaudissements parce que c'est lui qui a tout monté ça ce soir. Jean Bellavance. Vous avez entendu il y a quelques instants Madame Thérèse Rioux. Monsieur Jean-Louis Labbé. Et monsieur Clément Ross à la guitare. Sur un des longs jeux de Thérèse Rioux, elle en a enregistré 5, elle vous l'a dit il y a quelques instants. Eh bien, un extrait d'un de ces longs jeux, c'est la valse du maire Tremblay. Bravo. Bravo Thérèse Rioux. On vous demande, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de ne pas fumer dans la salle, s'il vous plaît. On vous demande également de ne pas tuer les maringouins, d'accord? C'est la première fois qu'une artiste comme Thérèse Rioux joue dans la salle de spectacle de Monsieur le maire. Mesdames! Un gars qui l'a connu, Tipol. Il a mangé chez Tipol. Il a couché chez Tipol. Un gars qui a pleuré quand Tipol est disparu. Je vous le présente, mon ami Laurence Lepage. Quand tu veux bosser, décroche ton violon pour aller faire venir cette trinité des monts. Mais son bel avis, ses souliers pointus, ferré sur le bout de ferré au talon. Et la veille va commencer, on fait de la place pour danser. Une caisse de bière, prenne mon petit Paul, une grosse 24 à port, le sol, sur les verres, je pense à la bouteille. Moi j'ai toujours bu ça comme ça, place-moi une chaise près de la fenêtre. Puis la veille commencerait là. Pas bossé, commence une veillée. C'est plus fort que toi, tu te mets à danser. Tu ramasses une fille entre deux clins d'œil et toute une nuit tu la fais tourner. Une passe à moi, une passe à toi. Repasse-moi là, mal de la passer. C'est la grande chaîne, les confitures. Tout le monde balance à gueule mon pied. Une main à droite, un œil à gauche. Une table à caisse, un coup d'épaule. La passe de madame à Jean Veilleux. Puis domino dans le coin gauche. Quand tu
pas le bosser, fini une veillée. Il est à peu près 8h du matin. Des talons de souliers traînent sur le plancher. Mais où sont passés tous ces beaux temps-trains? Et pour faire plaisir à la belle mariée, répare une corde de violon cassée. Oui, jouer comme ça un peu pour son bien. Une gigante trois, les oreilles d'un crin. Croyez-moi pas. Demandez donc à ces gens-là s'ils connaissent bien ce violon-là. Ils rileront sans faire exprès. Et se met à jouer le rire suspendu ou le rêve du diable. Tu dirais d'un gars qui sort d'une légende, d'un livre si vieux que les pages sont blanches. Tu t'arrêtes un peu et tu te demandes, ma foi du bon Dieu, j'ai entendu ça. Ça doit faire longtemps, je m'en souviens plus. Il y avait mon grand-père qui jouait comme ça. Et tu vois tes pieds qui dansent tout seul. Tu sautes dessus avec tes deux jambes. Tu regardes pas le vœu du coin de l'œil. Puis tu t'aperçois que t'es pas tout seul. Des crochons de violon pour aller faire la noce à Trinité des Monts. Nation de la vie, ses souliers pointus, ferré sur un bout de ferré au talon. Et la veille va commencer, on fait de la place pour danser. Une caisse de biais, près de mon petit Paul, une grosse 24 à bolsa. Laisse faire les verres, je prends sa bouteille. Moi j'ai toujours bu ça comme ça. Place-moi une chaise près de la fenêtre, puis la veillée commencerait là. Merci. Quel hommage à Paul Bossé. Laurence, c'est pas fini. Quel hommage à Paul Bossé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et Laurence, ceux qui ont connu Paul Bossé de près à nos émissions, de mémoire, il y avait Margot Rousseau qui chantait, n'est-ce Margot pas Rousseau, vous prenez ce micro. Et Ernest Brisson, oui. La côtoyer. Edmond Brisson, oui. Hector Lavoie. L'incroyable, l'indomptable, oui, Hector Dicotogne. Il y avait également Charlotte Tiss, rappelez-vous de Charlotte Tiss, oui. Du temps. Aline Gagné, la pianiste oui, de ma il y avait aussi le légendaire Jean Brisson. Écoutez, Thibault Richard est venu souvent à nos émissions. Non, mais je trouve que le public, là, il pourrait faire mieux que ça, Laurence. Puis laissez-moi vous dire, vous le prouvez. C'est moi qui vous prouve à Laurence que vous l'avez aimé. Voici de quelle façon. Vous allez reprendre la... D'accord? Bon. C'est un jeu? Non. Les musiciens, vous êtes prêts, hein? Bon. Laurence va dire... Comment vous faites ça? Bon. Non, Jean, t'es trop bien habillé pour chanter ça. Non, mais au deuxième. Hey, Laurence, au deuxième refrain, vous allez arrêter de chanter. Okay. C'est la foule qui va vous répondre, d'accord? Ah, oui. Attention, là, vous... OK, d'accord. Attention, mesdames et messieurs. Enfin, seulement une petite répétition, d'accord? Okay. Une répétition. On va l'avoir. Attention, hey. On commence là-bas, là. Tiens, OK. Attention, allez-y. Tout le monde ensemble, allez-y, allez-y. Bon, là, c'est là. Hey, attention. Là, c'est enregistré par Radio-Canada. Attention, on y va. Sur le réseau national. Laurence, vous commencez, la foule, et vous finissez. OK, attention. On va faire un... Hey, fort, là. On est 6 000 présentement, 6 000. Il faut que toute la Gaspésie entende ça. Ta-da-di-lam,
C'est nous autres qui vous applaudissons, voyons, c'est nous autres qui applaudissons la foule maintenant, allons-y. Hey, on les applaudit, les gars, allons-y, on les applaudit, bravo. Laurence, merci infiniment, vous avez donné un spectacle extraordinaire hier soir, ouais. Et encore une fois, on doit vous le dire, on doit vous le dire, merci beaucoup, Laurence, vous faites un travail extraordinaire, un grand ambassadeur. Non mais merci, merci de votre collaboration. Je me suis laissé aller, c'est comme ça que je le faisais il y a 35 ans, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et c'était une formule gagnante, on s'amusait puis on était sincères. Et nous sommes toujours sincères. Ce soir, une première, et je pense que ça va devenir une pièce de collection, c'est un souvenir extraordinaire. Devant vous, une composition du groupe sur une musique de Paul Bossé que nous avons arrangée. Ça fait la composition du reel du 300e de Rimouski. Les gars! Mesdames, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci infiniment à nos musiciens. Nous avions une petite demi-heure parce que le réseau entre en onde. Encore une fois, je vous le demande avec grand plaisir, il le mérite, une bonne main à Jean Bellavance, à Thérèse Rioux, à tous ces musiciens sur scène, Monsieur Labbé et Monsieur Ross. Merci infiniment. C'était notre hommage à Paul Bossé. Bonsoir et à bientôt, si Dieu le veut. Au revoir.